A few moments later. Twelve seconds later. One eternity later. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Crois les bonnes manières, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, les payer pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. En 2011, il part à la conquête du public avec sa première tournée, le Stromae Tour, armé de son tube « Alors on danse ». Il y a eu ce single qui a un peu étouffé le reste. Un album qui finit autour de 100 000, quoi. Bon. Et cette tournée, qui est une tournée qui ne va pas être une tournée triomphale, mais qui va être une tournée qui aura du succès, mais il joue dans des petites salles, mais une tournée dans laquelle déjà il définit tout son univers esthétique. Et ensuite, va arriver le deuxième album. Où là, de A à Z, un chef-d'œuvre. Voilà. 2 ans plus tard, en 2013, Stromae revient en force avec le Racine Carré Tour. Il donne plus de 200 concerts sur 3 continents, Europe, Afrique et Amérique. Ces shows sont maintenant spectaculaires. La tournée durera quasiment 2 ans. C'est assez fascinant. Je crois qu'on n'a presque plus vu ça depuis Michael Jackson, je pense. Un artiste qui plaît à toutes les générations. C'était sidérant de voir qu'on allait en famille voir Stromae. Je veux dire, les gens, du début à la fin, étaient scotchés parce qu'on leur racontait une histoire. Partout où il joue, il conquiert les foules. Même au prestigieux Madison Square Garden de New York, où il est le 3e artiste d'expression française à chanter, après Charles Aznavour et Céline Dion. Et s'il n'est pas né de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage, je viens de les éclaircir. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied.
Oui, je vais le prendre mon pied. Je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts. Et parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. En décembre 2009, Stromae fonde la société Mozart, anagramme de Stromae. Le directeur artistique n'est nul autre que son petit frère, Luc Junior Tam. La société a pour but la création artistique. Paul Van Aver a seulement 24 ans, mais il sait ce qu'il veut. Il veut faire tout ce dont il rêve. Musique, bien sûr, mais aussi vidéo, pourquoi pas cinéma, et nous allons le voir, mode. Il sera son propre patron, entouré de sa famille et de ses amis. Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, puis j'ai compris. Si seul, laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde, comme une journée de confinement, comme une journée d'anniversaire. Passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide, pessimiste, pas du tout. Dans vos concerts, ce public chantait presque joyeusement des textes sombres. C'est paradoxal. Vous en étiez conscient? J'en étais conscient, évidemment, mais après, moi, c'est mon envie d'essayer de célébrer la vie avec tout ce qu'elle a de magnifique et d'horrible aussi. Et parce que je pense que... Enfin, moi, le mot que je préfère, c'est la mélancolie. J'ai toujours répété ça parce que je trouve que c'est un mot qui est ni joyeux ni malheureux. Et c'est ce que, pour moi, est la vie, quoi. Elle n'est pas joyeuse ni malheureuse. Elle est comme elle est, avec les bons et les mauvais moments.